Nous allons écouter la parole de Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 18. J'ai déjà prêché ça, je crois, avant-hier. Mais je vais revenir encore là-dessus aujourd'hui. 1 Samuel 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Amen. 1 Samuel, chapitre 18, du verset 7 au 15. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son père et Dieu? Alléluia. Amen. Vous voyez, le message ce soir, la victoire qu'on a la foi en Dieu. C'est pour ça que je peux intituler ça, parce que j'ai déjà donné un thème: l'attitude du chrétien ou du croyant face aux menaces de la sorcellerie. Amen. Amen. La victoire du croyant ou du chrétien quand on a foi en Dieu. C'est-à-dire, quand tu as foi en Dieu, il y a une victoire, n'est-ce pas, qui forcément qui s'impose à toi, s'imposera forcément à toi. Ici, dans ce passage, on nous parle de l'histoire de David et de Goliath, que tout le monde connaît d'ailleurs. Beaucoup de personnes chantent cela, dans Goliath, David. David, on sait que c'est le petit, le Goliath, c'est le géant. On revient encore sur l'histoire et c'est vraiment important pour nous de comprendre un peu, parce qu'il y a trop d'enseignements dans cette histoire. Ici, on nous parle de David venait de tuer Goliath, c'est normal. Et qui est Goliath? C'est un géant, il avait 5 mètres. Pour ceux qui ne savent pas, il était un homme, si vous voulez, extraterrestre. C'est-à-dire que lui, il est un monstre, il était caillard, et lui seul a combattu, il a défié l'armée d'Israël. Or, cette armée, c'était vraiment une puissante armée. Vous savez comment elle est sortie de l'Égypte, vous savez comment de fois elle a battu Amalek, n'est-ce pas, sous la conduite, n'est-ce pas, de Moïse, où Amalek a affronté, n'est-ce pas, juste après la mer Rouge, tout ça. Donc, du coup, il y avait quelque chose que les gens, ils savaient. Ils savaient très bien que Moïse était, le peuple d'Israël était un peuple très puissant. Ils savaient très bien qu'ils étaient vraiment très puissants. Du coup, Dieu, au temps des prophètes, il fallait maintenant susciter la royauté. Amen. Donc, on va commencer à établir, n'est-ce pas, la politique et la démocratie. Dans la Bible, il faut établir la monarchie, le roi, qui va maintenant diriger. Parce que le peuple, n'est-ce pas, le pouvoir divin, qu'il y avait le prophète, Dieu a compris que ce n'est pas tout moment, il fallait avoir la royauté. Donc, Dieu choisit un prophète du nom, un roi du nom de Saül. Et Saül avait déjà perdu son pouvoir. Vous savez très bien dans l'histoire comment il allait, il a, n'est-ce pas, pris les veaux, n'est-ce pas, voué l'interdit, qu'il voulait offrir à l'Éternel. C'est comme ça, n'est-ce pas, le prophète Samuel, Dieu l'a parlé pour qu'il puisse aller, n'est-ce pas, oindre le fils d'un certain Isaïe, donc David, et le rendre comme roi. Amen. Amen. Et donc c'est parti de là que les choses ont changé. Le petit David qu'il était, il avait là-bas cette foi en Dieu. Il avait vraiment cette foi en Dieu. Ça se démontre parce que déjà, pendant qu'il partait, il constate que le monsieur, parce qu'il avait vécu une expérience, David écoute, il parle de son expérience. Il dit, quand je voyais que les ours voulait attaquer, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, les agneaux, les brebis, j'arrivais, n'est-ce pas, à ôter les brebis de la bouche des ours, puis les tuer au nom de l'Éternel. Donc il partait un matin donner à manger à ses frères. Il constate qu'il y a un monsieur, un grand géant, qui est en train de terroriser Israël. Une menace, pas de mal au peuple d'Israël. Il insulte. Le petit là, il les regarde. Il dit, mais comment le gars peut vous insulter? Personne ne bougeait. Personne ne disait un mot. Et il finit de s'exhiber, il parle, il insulte. Le Saül dit, il va finir, il va se taire. Ça fait quoi? Il a parlé. Donc il écoute, quand il finit, le gars rentre dans son coin. Donc le petit David, quand il écoutait la chose, il dit, mais attends. Il appelait ses frères. Il dit, mais qui insulte? Qui est celui-là qui insulte l'Éternel? Ils lui ont dit, il dit, allez doucement. Il faut aller doucement, ce n'est pas une question de qui insulte. Il s'appelle Goliath, ce monsieur-là. Ce n'est pas une question de non, tu ne nous respectes pas, tu es un petit, tu es trop agité, tu es impulsif. Ce monsieur-là, ça fait plus d'un mois, il parle. Personne ne parle ici. T'es tokonini, tu fais là. Il faut rester là-bas. Tu as envoyé pour manger, on va manger. Il faut partir. Fais comme si tu n'as rien vu. Alléluia. Amen. Ce qui a touché David, c'est que le monsieur insultait Dieu qu'il connaissait. Amen. Amen. Je ne vais pas permettre qu'il insulte Dieu que je adore, que je connais. Pourquoi lui, il peut défier l'armée de Dieu, les Philistins, les escorcis qu'ils sont. Et puis nous, de notre côté où il y a la victoire, nous sommes bouche bée. Les sorciers vous menacent. Et c'est chez vous, il y a bouche bée. Et ils sont contents. Vous avez fait dans leur village. Ils ont gagné. David dit non, non, non. Je vais rencontrer le roi. Ah, on dit c'est le roi seul qui peut décider. Dans cette histoire, il dit il faut que je rencontre le roi. Il part par le roi le regarde. Bon, le monsieur là, il mesure 5 mètres. Il a bouclier, il a épée, il a tout. Tu peux le tuer. Il allait parler, il dit, on va essayer, le petit là, il veut se tuer. On va le protéger, on va lui donner les habits. Donc, ils ont donné les habits. Il a essayé, il dit, non, c'est trop lourd. Bon. On dit, un petit qui cherche la mort, il faut lui donner ça. Le petit là, il cherche la mort, il faut lui donner. David, il avait foi en l'Éternel. David dit, car c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Une armée peut se lever contre vous. Même l'armée succose. Excusez-moi, toutes les armées du monde, plus puissantes du monde, peut se lever contre vous. Mais la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Il est en train de blasphémer, insulter l'armée de Dieu. Donc, du coup, il a dit non, c'est pas possible. Tu peux tout faire, mais stop. Elle est chaude, on ne joue pas. Non, il ne faut pas insulter Dieu pour dire qu'il ne vaut rien, il ne fait rien. Parce que s'il faisait quelque chose, il y a longtemps, il n'y avait plus l'air. Donc David se met dans une colère, ce qu'on appelle une colère sainte. Il y a seulement ce qu'on appelle la colère sainte. Amen. Amen. C'est une colère sainte, c'est pour ça que souvent les gens veulent mettre souvent des choses au pas. Parce que ce que les gens sont en train de faire, ça n'honore pas Dieu dans la maison. Il faut mettre les gens au pas. Amen. Amen. Donc du coup, David dit, bon, attends, je veux combattre Goliath. Il part puiser des pierres. Or, vous savez bien, on dit la pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. N'est-ce pas? Donc, il a compris qu'il fallait composer avec Christ dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, il prend 5 pierres. Or, le chiffre de Jésus, les chiffres, les lettres, c'est 5 lettres. Jésus, c'est 5 lettres, n'est-ce pas? Il prend et puis part, parler, combattre. Maintenant, Goliath. Et nous avons vu la déclaration de David. Il dit, vous venez avec moi, tu viens avec moi contre toute l'armée, mais moi je viens avec toi contre l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées plutôt, pour mettre ta tête à terre, car c'est à l'Éternel qui appartient à la victoire. Effectivement, David a tué Goliath, n'est-ce pas? Ok. Il tue Goliath. Regardez ce qui s'est passé. Il a tué Goliath. Or, nos mamans, elles aiment ça. Quand les femmes sont avec vous, elles peuvent composer tous les morceaux que vous voulez.
David a tué 10 000. Saül a tué 1 000. Dans la rue du roi. Et dans, vous connaissez les femmes. David a tué 10 000. Saül a tué 1 000. Ça, ça choquait. Ça rend jaloux. Écrit. David a tué 10 000. Goliath. Saül a tué lui là. Vaut rien. Goliath. 1 000. Le gars est fâché. Mais en réalité, ce que les femmes disaient était vrai. Mais c'est la manière là. Le qui est à côté là. Donc, on dit du coup. Il s'est réveillé pour dire, mais quand, s'ils ont commencé à chanter, ça veut dire qu'il lui reste la royauté. On dit, il a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Ça veut dire, la jalousie, c'est l'instrument puissant pour rentrer la sorcellerie dans votre vie. Quand vous êtes avec quelqu'un, comment il parle de vous? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il dit de vous? Chacun a son temps avec Dieu. Et les gens, ils aiment, sont trop jaloux. Ils ne sont pas contents de bénir sur des gens. Quand l'on est béni, ils ne sont pas contents. Ils aiment que je parle. Ils ne sont pas contents. Il dit, attends, il faut que je le tue. La jalousie, on dit, un esprit malin entre en Saül, en lui. Alors, il faut le tuer. Les gens veulent vous tuer. Parce qu'il sait que vous allez posséder le trône de la famille. Ils savent que vous allez posséder de grandes choses. Ils savent que vous êtes les meilleurs. Ils savent que c'est toi qui es bon. Lui, il sait qu'il s'est fini. Il a senti que l'Éternel s'est arrêté de lui. Donc, il prend la lance. Et il a fait 2 tentatives de mort. C'est échoué. Il a rapproché même David chez lui. David vivait dans le palais. Amen. Pas parce que tu es forcément, il est avec toi, qu'il mange avec toi, qu'il est forcément avec toi. Regardez ce monsieur qui envoie David dans le palais pour le féliciter, pour l'apprendre des choses, mais c'était son ennemi. Même dans le palais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il a échoué, la Bible dit ici, écoutez très bien la parole de Dieu. Non. Le verset 12. On est seul. Saül leva sa lance. Le verset 13. Plus le verset 12, on dit. Saül craignant la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. On dit qu'il craignait la présence de David. Parce que l'Éternel s'était éloigné et qu'il était avec David. Vous comprenez? C'est pas le sorcier qui a commencé. C'est pas David qui a commencé à avoir peur du sorcier. Mais c'est le sorcier qui a commencé à avoir peur de celui qui avait Dieu dans sa vie. Et lui-même constate que Dieu est avec David. Et puis Dieu, c'est le don qui a commencé à avoir peur. Pourquoi toi, tu as peur du sorcier? Pourquoi? Dis à quelqu'un, toi, tu as peur du sorcier. Il dit, on va manger. Ça sera chier dans le groupe. On est salué, craignait la présence de David. Les sorciers ne craignaient même pas ta présence. Parce que l'Éternel s'était éloigné de Dieu et t'avais David. Quand Dieu est toi, la sorcellerie fléchit. Amen. Amen. Non, ils sont venus, ils ont versé 1 000 devant ma porte, ils ont mis des bougies, ils ont versé, couru, j'ai peur. Regardez-vous. Ils ont déféqué, j'ai peur. La Bible dit, ne crains rien, car l'Éternel sera avec toi pour te délivrer. Amen. Au nom de l'Éternel. Il a tenté de le tuer. Une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Il a commencé à avoir peur. Vous dites, ah, le monsieur là, c'est qu'on ne peut pas le tuer. Et la question, je vous dis, mais attends, c'est parce que Dieu est lui. Tu n'entends normalement ce qu'il a fait là, c'était pour le tuer.
Donc, attends. Ce n'est pas tout le monde qui tue. Pourquoi toi, tu fuis? Donc, on dit craignait. C'est-à-dire la crainte. Il avait peur. Regarde. Pourquoi la peur a changé de camp? Pourquoi c'est toi qui as peur du sorcier? Pourquoi? Donne-moi la réponse. Parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est le point d'interrogation. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand Dieu est avec une personne, il n'y a plus la peur. Cette personne n'a plus peur. Elle n'a plus cette frayeur. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans les sorciers. Quelque chose que tu vas entendre. David a entendu tout ce qui faisait peur. Il a entendu tout ce qu'on pouvait dire à quelqu'un pour le faire fuir. Il n'a jamais eu peur. Amen. Parce qu'il connaissait la puissance de l'Éternel. Il dit, la Bible dit, il dit, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Répondez-moi. La victoire. Vous avez plus peur du sorcier que de Dieu. Manque de foi. Non, c'est un manque de connaissance de Dieu. Vous ne savez, c'est l'ignorance. Vous ne savez pas qui Dieu est. La foi laissée à faire de foi. Vous ne savez pas qui Dieu est. Donc lui-même, là, il est frustré, il est touché, choqué, parce que vous ne savez pas qui il représente pour vous dans votre vie. Comment il va vous protéger? Toi, tu es vieille comme ça avec un enfant de 3 ans qui fait un coup de poing. Qui va gagner? Qui va gagner? C'est la vieille. C'est toi qui as gagné. Tu as 30 ans, enfant de 3 ans, je vais faire parler à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, hey, bébé, pardon, la folie qui est en train de te prendre, il faut laisser ça. Parce que toi-même, tu sais que quand tu as fait, elle va tomber. Tu sais ce qui est en toi. C'est parce que tu ne sais pas qui est Jésus, qui le représente pour toi. C'est pour ça que tu as peur des effrayements de la sorcellerie. Que tu mets un fétiche ou pas, c'est rien devant la puissance de Dieu. Que tu sois le sorcier le plus redoutable, c'est rien. Est-ce que tu l'as vraiment dans ta vie? Si tu l'as vraiment dans ta vie, le sorcier aura peur de toi. Amen. Parce qu'il sait. Et il sait qui est avec le Seigneur, qui n'est pas le Seigneur. On a l'impression que Salaman casse nos pieds. J'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu ma tante. Et puis toi, tu bourris du lit. Ton pied dans le plat. C'est cassé. Papa. Il y a quoi? Non, c'est ma tante. Mais quelle tante? Et puis, il explique l'histoire. Il dit où Salama était parti. Bon, en quoi Dieu est glorifié dans ce sens-là? Il n'a qu'à prendre le téléphone pour t'appeler. Faut le parler. N'ayez pas peur. Hein? Le jour où il aura affaire à toi, je te parle ce soir. Le jour où il a affaire à toi, il a affaire directement à Dieu. Amen. Il a affaire à Dieu. Amen. Il aura affaire à le Dieu que tu pries. Si tu n'as donc plus les fétiches, tu ne vas plus chez les marabouts, que tu as trouvé Jésus-Christ comme sauveur, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu est fidèle. Tu as quelqu'un? Le Seigneur est fidèle, tu as quelqu'un. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous avons mis une tête de chat ici. Détruis ça. Ici, là, on t'a dit qu'il y a ici une sorcière qui met les gens dans l'anus. Elle est venue ici. Comme elle a mis tous les pasteurs dans l'anus. Comme Kaniba. Quand le pasteur est dedans là-bas. Pasteur stagiaire à côté. C'est nous ici là, t'es pédigé, tu vas faire gagner. Donc elle a pensé que j'allais rentrer dans le piège mystique. Dieu m'a révélé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais celui qui marche avec lui. Amen. Pourquoi toi tu as peur? David pouvait fuir du palais. Mais David était dans une sérénité. Et la sérénité a fait que c'est le sorcier, parce que ça a été devenu sorcier. Un sorcier, c'est lui qui a l'art de nuisance, qui veut te nuire à cause de ta destinée. Parce qu'il a senti que David devait prendre le trône qu'il avait. À un moment, quand vous marchez des gens, quand ils comprennent que c'est vous commencez à être béni, vous allez voir les gens commencer à se retirer de vous, ils vont commencer à vous jalouser, ils vont commencer à former un clan, parce qu'ils savent que tu pars en train d'accéder
à quelque chose. Au départ, ils croient, ils vont pas commencer, mais quand ils savent que tu commences à être béni, ils vont commencer à avoir des clans pour t'attaquer. Ils vont commencer des clans pour parler contre toi, pour t'attaquer, que tu fais malin, que toi tu es orgueilleux. C'est sur ce béni qui a commencé. Parce qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde que vous parlez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit craignait. Celui qui a commencé à craindre. Pourquoi c'est toi qui crains le sorcier? Pourquoi? Ah non, ben le sorcier, c'est pas comme avec quelqu'un. Ah, prophète, le sorcier, il mange les gens. Moi, il mange. Toi qui, en qui toi t'as cru? Jésus. Si tu as cru en Dieu, rien ne pourra te nuire. Amen. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas? C'est qu'il a dit te nuire. Et toi, tu penses qu'on peut te nuire. Attends. De toi à Dieu, à Jésus qui ment. On dit, vexe sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Tu l'as accepté comme sauveur, le Seigneur. J'ai toujours dit, le salut vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui as accepté Jésus. C'est lui qui t'a appelé. Le fait de venir t'asseoir quelque part, écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. Les gens sont dans la rue, ça leur intéresse pas d'écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Dieu se révèle, te fait la grâce de connaître les mystères des choses cachées. Or, quand Dieu t'appelle, c'est pour t'établir. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te protéger. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Pas t'exposer. Dieu n'appelle pas les gens pour les exposer. Dieu n'appelle pas les gens pour les nuire. Tu vivras un moment de turbulence. Je préfère l'expression turbulence. Il y aura des moments de turbulence, mais Dieu finira par t'élever. J'ai dit, pour ceux qui sont habitués à prendre l'avion, l'avion va dans le sens contraire du vent. Et quand, pour se décoller, il faut dans le sens contraire. Où le vent vient fort, là. Vous savez que le décollage, ça fait peur. Pour ceux qui sont dans l'avion, vous avez peur. C'est ce qu'on appelle la croisière. Vous partez très loin, et puis l'avion se stabilise là-haut. Mais ça ne veut pas dire que l'avion est en train de partir, ça ne va pas arriver à destination. Mais pour que l'avion même arrive à destination, il y a turbulence. Donc, la turbulence n'exclut pas que tu n'arriverais pas à destination. Amen. Or, destinée, c'est une destination. Tu y arriveras parce que c'est Dieu qui a dit. Frère, tu as vu quelqu'un que tu as appelé à quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dedans? Jamais. Dieu ne pouvait pas permettre que Saül tue David parce que David était appelé à la royauté. Il y a des gens qui ne peuvent pas tuer. Je suis désolé. On ne peut pas te tuer. Si il y a longtemps, tu étais dans le sens d'arrachée. On a été moyen que de nous. Petit sauce, puis appétit au mignon là-dessus. Petit piment de deux piments. C'est rapide. Chiqué, à vos diamants. Et puis à longtemps, t'as mangé. Si tu n'as pas mangé, c'est que Dieu t'appelle à des grandes choses. Amen. Donc la chose que tu dois avoir, avoir foi en toi d'abord. Et foi en Dieu. Tu peux avoir foi en Dieu puis ne pas avoir foi en toi. Faut avoir foi. Faut comprendre que, frère, c'est pas que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ. Et c'est lui qui t'a appelé. S'il t'a appelé, il est capable de te sécuriser. Il ne faut pas avoir peur des zones de turbulence. Il ne faut pas avoir peur de la turbulence que tu vis. Il y a eu des turbulences. Il a lancé la lance. Ça a voulu tuer. Mais ça n'avait pas dit qu'il atteint. Lui, il a commencé à avoir peur. Donc, il a commencé à craindre ce monsieur. Le diable vous attaque. C'est parce que vous ne voyez pas de l'invisible. Ils essaient plusieurs fois de vous attaquer. Ils n'arrivent pas. Maintenant, la chose qu'ils font pour installer, pour vous faire, ils vous créent la peur. Une fois la peur instaurée, c'est fini. Parce que la peur, ce n'est plus la foi. Si vous voyez quelqu'un commence à avoir peur, peu importe la gravité du problème, le Seigneur vous fera sortir toujours de ce problème. Amen. Devant la mer rouge, l'Israël a gardé, il dit, gardez le silence car l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. La mer s'est fendue devant Israël. Ils ont traversé la mer. La mer rouge était un miracle déguisé. Tout ce qui vous arrive est un miracle déguisé. Amen. Tout ce qui vous arrive est un miracle déguisé. Amen. Que vous voulez ou pas, dès que vous acceptez Jésus, vous rentrez dans la destinée de la grandeur. Amen. Vous rentrez dans la destinée de la grandeur. Amen. Vous n'êtes plus n'importe qui. Dieu doit vous établir. Les gens doivent avoir peur de vous. Si les gens n'ont pas peur de vous, c'est eux qui vont vous effrayer. Si tu as peur d'eux, c'est que toi-même, tu n'es pas un grand.
Ils ont commencé à avoir peur de David. Il dit, craignez-les. Il craignait David parce que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a commencé à avoir peur de David. Pourquoi toi tu as peur des sorciers? J'ai peur. Hein? Quand il attend ça, ça veut dire, toi-même tu ne sais pas qui Dieu est pour toi. Je suis désolé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est l'auteur des miracles. Il est le spécialiste des cas impossibles. Pourquoi tu ne crois pas en lui? Quel que soit ce que tu as entendu, tu attends chaque jour. Quel que soit tout ce que tu vis, garde l'espoir. N'abandonne jamais. Il sera toujours avec toi pour te délivrer. Si seulement tu gardes. Or, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. On espère. Et c'est démontré. On garde la sérénité. Ils m'ont logé quelque part à Grand Laoum, dans une maison. Dans la maison, un monsieur est mort. C'est 4 jours après, ils sont venus prendre son corps pour aller l'enterrer. Donc, la maison est devenue hantée. Donc, la maison, là, souvent, les gens testent. Quand ils envoient quelqu'un, il, matin, il rend témoignage. Il fuit. Ah, tu as vu ça, il dit oui. C'est comme ça ici. Donc, on m'a invité dans le village. Et puis, c'est dans la maison, là. Ils sont allés me loger. Ils m'ont mis dans la maison, tout ça. J'ai fait ma prière. Et puis, j'ai dormi. Moi, ils vont pas dans le village pour veiller toute la nuit. C'est quand je suis à la maison, je prépare le programme, je paie. Il m'a là, il dit, Seigneur, merci. C'est quand il y a l'aurore, je me lève vers 3h30, 4h, je prie. Je m'en fous. Je suis déjà un territoire conquis déjà. Moi, il y a déjà ça. C'est pas parce que j'ai là qu'il ne dort pas. Pourquoi? J'ai déjà le territoire. 3 jours, 1 jour, 2 jours, le 3e jour, quelqu'un vient me demander, vers 8h, tu as dormi. Tout le temps ici, les gens, tu n'as rien vu. Moi, je n'ai pas les sorciers. Dieu ne m'a pas révélé qu'il y a tout un monté. Dieu aussi fait les choses. Hein. Donc, il nous dit, tu n'as rien vu. Les truies ne sont pas venus. Il dit, mais quel truc va aller? Au sorcier, là, il sait qui je suis. Moi, je dis, non, ce n'est pas affaire des sorciers. Tu n'as rien vu. C'est là un petit voyou du coin qui a vu son. Vous connaissez les gars du village. Il y a un petit délinquant, il a vu Belay. Hein? Jaune amer, il va commencer à parler à vous. Il a dit, oh, dites la vérité au prophète Kassou. Dites la vérité. Dites la vérité. Hein, ouais. Que cela, c'est des faux types. Ils t'ont logé dans une maison, la maison, là. Il n'y a pas tout le monde qui dort là-bas. Il y a génie là-bas. Son belet, jaune amer, de 3-5 heures du matin, il a ça. C'est lui. C'est comme ça, regardez. J'ai dit, moi-même, je suis tombé. Les gens m'ont dit, tais-toi, Soula, Soula. Mais Soula, il a dit. Il a dit la vérité. Tout ça, vous buvez coup de poule. Vous dites souvent la vérité, n'a fait de coup de poule. C'est pas parce que vous avez pu que ce que vous dites n'est pas vrai. Souvent, c'est vrai. Hein? Tais-toi, Soula. Pourquoi tu es comme ça? Il dit, dis la vérité, prophète. Pour nous délivrer, nous, on est bien cabriment. On est cabriment ici. Venez nous délivrer. C'est là qu'ils ont commencé à parler. Que tu as fait 3 jours. Tu ne te plains pas. Tu ne fuis pas de la chambre. Personne ne te chicote. Personne ne te poursuit. Que voici, dans la maison ici, il y a quelqu'un qui a été étranglé, mort. Toute personne qui dort dans cette maison est toujours étranglée. Fuit. Fuit la personne. Et quand la personne va être dans la maladie, c'est paralysé. Puis elle meurt mal. Bizarre. Ça fait 3 jours, tu te plains pas, tu parles pas. J'aurais dit, le jour où j'ai mis mes pieds ici, le génie l'a vu. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai mis pied là, il a déménagé. Amen. Il a pris ses bagages, c'est pour lui ici. Il dit, là où tu fouleras le pied, je te donne le territoire en héritage. Amen. C'est mon héritage. Ce qui est mort est plus fort que la maison hantée. Ce n'est pas une question de crasso, frère. Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dit de croire crasso, il faut croire la puissance de Jésus-Christ. Amen. Il te donnera raison sur la source. Amen. Mon témoignage fait que mon message est très, très puissant. Parce que j'ai vécu ça. Je suis différent. Il y a des gens qui parlent de sorcellerie. Moi, je vis ça au quotidien. Non, quand ils attrapent, quel sorcier t'attrape?
relationship à Gorok. Ils m'ont monté la tombe d'un prêtre. Il avait fait la première messe dans le village. Milo, béni soit le Seigneur, notre Dieu. Amen. En le corps du Christ. Amen. Quand il a fini la première messe devant l'église, il l'a mangé. Il est tombé. Sa tombe est là. Donc ils m'ont dit, tu es jeune, tu as été chocot. Ils m'ont dit ça. Hein? Ici là, c'est gros, hein. Ah. Prête même là. Il le mange. C'est un ton de la longue vie. Il faut continuer. Ils sont allés me montrer. Ça veut dire, il te dit, celui qui t'invite là, il crée en toi la peur. Je l'ai tendu dans le dit, si sorcier était fort là, ça veut dire que vous-même, là, vous allez vous exterminer ici. Pourquoi le village existe? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde au moins. Dieu me montre qu'il y a un serpent dragon dans le village. Que le serpent l'avait déjà positionné pour m'attaquer. Il essaie une fois. Deuxième nuit. J'étais en prière. Quand je suis arrivé de Divo, ceux qui ont vu le dragon, disent le prophète a détruit le dragon gros, tout ça. Donc je suis parti. Dès que je suis arrivé, j'aurais dit, le serpent est dans une termitière, je vais détruire ça. J'ai l'onction de Dieu sur moi, ça m'a conduit. J'ai voulu, dans la termitière, j'ai vu que le serpent voulait me prendre, j'ai sauté. Puis les gens commençaient, j'ai dirigé l'opération. J'ai abattu le serpent propre. Ça fait maintenant 3 ans, mais voici, je suis vivant. Amen. Oui, Amen. Ils te feront la guerre, ils ne te... Je vous attends les gens d'Akradio. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez toi? Ton papa, il est où? Vous parlez une... Vous affaire d'Akradio, ça nous effraie. Mais voici. Prenez Paris pour envoyer ça chez vous à Akradio. Peut-être que ça peut m'effraie, petit. Oui, peut-être. Ah, quand même, ils ont pris Paris pour envoyer ça dans le village. Quand on répète bien, pistolet, vous criez. Dans cacao. J'ai affronté les sorciers les plus redoutables de la Côte d'Ivoire. Donc, ça se l'est dit là, ça nous effraie. C'est maintenant on est en ville. Sinon, avant, on était tous dans le village. On attaquait sorcellerie. Demandez à Grand Laou, Ebounou, le plus grand sorcier de Bounou. On l'a mis à terre. Amen. Il allait à Mortel. Quelqu'un qui voulait me tuer. Il a dit mon nom, il l'a vu assis à ma maison. Pendant une semaine, il n'a jamais m'a touché. Il a dit que la vie. Demandez aux gens. Lui-même qui chérif vient demander, dit toi, tu es fort. Je donne ma vie à Dieu. Amen. Amen. Oh, les prédicateurs plein droit dans une église. Il a donné sa vie au Seigneur. Si l'église ne demande pas la puissance de Dieu, les sorciers demeureront dans nos églises. Ils sont d'ailleurs dans nos églises. Pourquoi avoir peur des sorciers? On peut cohabiter avec un sorcier. C'est lui qui doit découvrir en nous la puissance de Dieu. Pourquoi vous avez peur d'eux? Hein, les sorciers, vous faites des cauchemars. Écoute la peur, vous tremblez. À nous, ne dormez pas. Et le sorcier lui-même, il dort. Toi, tu trembles. Tu gênes. Et quand le sang finit dans ton corps, vous laissez la sauce de mien. Les vieilles du village sont mieux préparées que nous. Non, maman, excusez-moi. Et les champions, vous laissez la bonne sauce là. Vous avez peur. L'Éternel sera avec toi pour te délivrer. Amen. Pourquoi vous avez peur des sorciers? La seule chose, c'est que toi, tu n'as pas Dieu. C'est le seul problème, le hic. Tu ne l'as pas dans ta vie. Il faut l'accepter. Amen. C'est tout. Il faut l'accepter. C'est un impératif. Si vous n'aimez pas Dieu, ils vont vous avoir. Et vous auront, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans un commun prix. C'est quand ils voient Salaman. Oh, où est-il chez le prophète Cressou? Oh, ça dit moi. Il est chez le prophète Cressou.
À quoi les salamas, vous savez? Vous avez entendu que nous vont le programmer dans le village. Sur le 30e, ils vont à l'église. Où est le 24? Ils vont à l'église. Le reste, ça, on s'en fout. Tant que tu n'as pas Dieu dans ta vie, le sorcier ne va jamais te respecter. Les malpolis sont les sorciers. Les sorciers, maintenant, ils lâchent les gens. Vous me regardez? C'est devenu une affaire de lâcher. Avant, c'était de t'en mettre à la nuit. Maintenant, il y a lâchement dedans. Regardez le verset 13, on dit, il éloigna de sa personne. C'est-à-dire, David, Saül avait tellement peur qu'il éloignait, il avait peur parce qu'il savait que la présence de David brouillait ses ordres mystiques. Il éloignait, il a dit ici, il éloignait de sa personne et il établit chef sur les ordres parce qu'il savait que l'Éternel était avec David, il fallait bénir David. Vous ne savez pas que souvent, c'est les gens bizarres que Dieu utilise pour vous bénir. Le verset 14, on dit il réussissait dans toutes ses entreprises. On dit il réussissait dans toutes ses. Pourquoi toi tu ne réussis pas dans tes entreprises? Il vivait le sorcier. Lui, il réussissait dans tes entreprises. Toi, tu vois toujours que tes entreprises tombent, mes affaires ne marchent pas. On dit David, bien qu'il soit, vous comprenez, on dit dans ses entreprises. Il était dans la maison de Saül, mais il avait ses affaires. Amen. Il était David, appelé à la royauté, mais faisait les affaires. Pourquoi ne faites pas les affaires? On dit qu'il réussissait dans toutes ses entreprises. Bien qu'il dormait sur le sorcier, il vivait avec lui dans la même maison, mais il prospérait. Vous avez dit qu'au village, toi tu es à Paris, toi tu prospères. Amen. Vous devez demander à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression que je ne t'ai pas encore connu. On m'a parlé de toi, mais je ne l'ai pas encore connu. C'est pour ça que les choses n'ont pas changé dans ma vie. Quand tu as Dieu, tu dois prospérer. J'ai toujours dit au Seigneur, si tu ne fais pas prospérer quelqu'un qui a ta crainte, il va pécher. Il va s'éloigner de toi. Parce que l'exaucement fait augmenter la foi. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous exauce. Amen. C'est pour ça qu'il faut que nous prospérons dans nos affaires. C'est pour ça que je vous encourage à l'entrepreneuriat. Entreprenez les choses. On dit David réussissait dans ses entreprises. Et l'Éternel est avec lui. Le verset on dit, et l'Éternel est avec lui. Le verset 15 on dit, Saül voyait qu'il réussissait toujours avec peur. Il réussissait toujours. Pourquoi toi, le sorcier ne voit pas que tu réussis, tu échoues seulement. On dit qu'il réussissait toujours. Il avait peur de lui. Amen. Amen. Vous avez peur. Oh, c'est mon nom qui m'appelle. Ah, le Seigneur, qui ne te couche pas. Il a les missiles. Il va me lancer dans mes oreilles. Moi, je décroche, je dis, allô, mon allô, la missile, c'est retour l'envoyeur. Parce qu'il y a Jésus à moi. Pourquoi vous donnez raison à ces pauvres petits sorciers qui ont dents d'agneau au ventre? Pourquoi vous donnez raison à ces gens-là? Et Dieu, la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. Pourquoi ne mettez pas, la Bible est plus pragmatique. Pourquoi vous ne mettez pas ça en pratique? Vivez votre vie chrétienne. Pourquoi vivez la peur? Vous manquez d'assurance. Pourquoi? Vous vivez la peur. Bien que vous avez Dieu, moi j'ai Dieu, je suis chrétien. Je suis chrétien, baptisé, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Et tu as peur, tu bourris. Un sorcier vient. Tu as grosse bible. C'est toi qui te blesses à cause des cafards. Salaman fait casser ton pied. Le jour où tu vois cafard, la maison ne dort plus. Les pauvres enfants qui doivent aller à 7 heures à l'école, tu les réveilles. Réveillez-vous. Le feu.
vous réveillez tous les enfants, les pauvres enfants qui n'ont rien à voir à votre peur. Où tu vas réveiller un enfant pour venir dormir dans ton oreille. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Priez que Dieu fasse disparaître la peur dans votre cœur. Alléluia. Amen. Vivez votre foi. Amen. Vivez votre foi. Vivez votre foi, chrétien. Celui qui est en vous est trop fort, c'est Jésus de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il est le lion de la tribu de Judas. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il déclare, je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et les serpents. Marchez sur eux. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ni la mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que personne ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la mort, ni les choses à venir. Personne. Pour pas que les choses, le diable miroite les choses vous fait peur. Ce qui en vous est trop fort. Le diable, son rôle, c'est de mettre la parole de Dieu en doute. Pour que vous puissiez douter de la promesse de Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Oh, il sait ce que Dieu a dit aussi. Il dit, oui, Dieu a dit, mais il dit, mais il ment. C'est ce qui vous fait croire. Vous êtes bon croyant, vous croyez en Dieu, mais Dieu ne pourra pas vous sauver, protéger contre les sorciers. Ils sont plus forts que vous. Depuis quand? Depuis quand sorcier est plus fort que Dieu? Quand vous regardez l'histoire, c'est les gens qui avaient plus peur. Saül, on dit David, bien qu'il soit logé dans la maison de Saül, mais Saül ressuscite dans ses entreprises. Si toi tu as échoué, c'est qu'il y a un problème. Viens te confesser, on va prier pour toi. Si tu échoues, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. Amen. Tu as confessé tes péchés pendant les 3 semaines. Des parents, on a combattu beaucoup de choses. Maintenant, c'est le 9 à moi. C'est pour ça que le barreau communication, ma structure, s'ouvre le 9. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre. Ce mois-ci, commencez à entreprendre. Amen. Commencez. Oui, le mois de septembre, c'est beaucoup favorable à ça. C'est pour ça que la rentrée scolaire commence à partir de septembre. Amen. Avant, c'était en octobre. J'en reviens en septembre. Ils vont commencer à vous donner des mystères. Les gens, vous voyez là, c'est les gens qui connaissent les chiffres. Ils connaissent le temps. D'ailleurs, le calendrier juif. Vous ne les voyez pas un peu. Je m'emmerde les gens. Ils ont détecté les trucs bizarres. Ils ont fait coin, c'est quelle vision là. Toi, tu connais déjà 10. Si derrière vient, toi, tu es le moins. Souvent, quand ils passent, ils font les trucs. Ils passent, ils disent bon, je suis obligé de me soumettre à la loi. Toi, tu connais déjà 10. Petit vigile, tu es là. Tu es net, tu es en jaune, vert, ringuez, patron vert, en dehors, caramel. Ils n'ont rien, c'était quink, quink. Hein, monsieur, soulevez vos mains, c'est comme ça ici. Attends. Tu connais Diabis? Jacques Bori. Rien que c'est la même chose, sauter, mais c'est toi-même qui allais te trouver dans les bonbons. Parce que le vigile est dans les bonbons, là-bas, il est caché. Derrière, casse les bonbons. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, le voici là, derrière le bonbon. Bonbon au chocolat. Amen. Amen. Nous devons, qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Amen. Il te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Entreprenez les choses. Amen. Amen. J'encourage les gens à l'entrepreneuriat. Bientôt, on va commencer à coacher les gens. Vous expliquer. Si vous n'avez pas peut-être une idée, on va vous être coacher. Parce que l'Afrique doit se réveiller. C'est très bientôt. L'année 2018, c'est pour nous. Hein. C'est à partir de 2018, il y aura plein de choses. Les petites portions de terrain, que ce soit demi-hectare que vous avez dans un bas-fond, on peut vous aider à les idées. On peut créer ce contact-là. À vite. C'est-à-dire, un petit moyen, vous avez des millions. Il te comblera de bien en faisant prospérer le travail de tes mains. David était dans la maison de Saül, mais la Bible dit que Dieu, il ressuscite dans ses entreprises. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu t'appelle à la royauté. Dis amen. Amen. Dieu t'appelle à la grandeur. Dis amen. Amen. Il y a les gens qui ont un million, ils ne peuvent pas richesse. Pour créer un champ même de gemblem, c'est 650 000. Et ils te fournissent tout. Et puis ils suivent ça. Tu laisses ça dans la brousse, tu nettoies. Après la récolte, ils viennent prendre. Il y a des choses. On veut t'insister. On est payé à combien de mille? 130 000. On est un possédé. 100 000 fois, ça ne veut pas quelqu'un. Aujourd'hui, là, ça veut pas quelqu'un. 100 000. 100 francs pour un enfant, il n'est pas rassasié. Nos enfants qui mangent beaucoup, là. 100 francs. Toi-même, 100 francs, ça peut être rassasié. Au gabarit, tu manges combien? Tu n'es pas 1 000 francs. 500 au moins, ça fait une petite réserve. C'est un petit sous-bâtiment. Ouais, tu ne vas pas donner le vertige. Sinon, à partir de 14h, un petit vertige vient. Gaba. Ceux qui se gabatulisent, ils connaissent. Manger gaba en un petit chien. Non. Amen. D'habitude, le gars, il dit, viens, moi, il a resté. Il dit, mais c'est combien? Il ne peut pas faire 25 000. Il dit, mais pourquoi lui, il peut moins bien? Non, il faut me donner 25 000 là. La carrière de tante Suzanne, c'est 1 000 francs. Il y a clou et des poissons. Il paye 1 000 francs ici, bon matin. Et lui, je ne vois pas entendre le moyen plat de 25 000. Ah! J'ai dit aujourd'hui, là, tu es délivré de ça. Tu as mangé plat de 25 000, il est pas chier. Il voit tanté Suzanne, elle pleure, elle tagali, il a crabe dedans, j'ai 1 000 francs. Il voit, il est. Il tu penses que tu es n'importe qui? Mais le regard de Dieu, c'est toi. Amen. Amen. Tu penses que tu es inutile? La chance t'a amené de voir des choses. Amen. Tu es encore en vie. Il y a des gens qui sont morts. Pourquoi toi tu es en vie? C'est parce que Dieu croit en toi. Amen. Chante ta manière. Crois en toi. Tant que tu as le souffle de vie, il faut avoir l'espoir. C'est la chose qu'on ne doit jamais t'arracher. Amen. La confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Amen. Moi-même, là, c'est fini. Tout ce qui est fait échoue. Ça a échoué. Les meilleurs qu'on réussit dans la vie, ce sont ceux qui ont échoué. Jésus a trébuché 2 fois. Il n'a pas remporté la victoire. Si. Il a pris la croix et la chair, il a trébuché. Il n'a pas eu la victoire. Si. Pourquoi tu as peur d'échouer? L'échec, ça appartient aux hommes forts. C'est quand on échoue, on a l'expérience de la vie. Quand tu vas vouloir t'élever, tu vas échouer. Tu vas connaître des turbulences. Tu vas connaître les faux types. Tant que tu ne connais pas les faux types, tu ne connais jamais quand il y a les bons types. D'abord, les faux vont se présenter et puis il y a les bons qui viendront après. C'est comme ça. Amen. Amen. Ceux qui travaillent dans l'or, ils savent. L'or, quand vous voyez l'or, vous allez balayer, vous allez jeter. Le jour où vous découvrez l'or qui est sorti de la terre, vous allez verser. Si vous ne connaissez pas, c'est comme ça que tu es. Parce que tu n'as pas été puré, tu n'as pas été purifié par le feu. Donc tu ne brilles pas. Il y a des choses que Dieu m'enseigne et il dit quoi là. Amen. L'or, tu es de l'or. Amen. C'est parce qu'il y a des déchets, il y a des petits trucs que les gens ne te considèrent pas. Mais il faut que Dieu te prouve d'abord. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas toi. Quand vous regardez même l'histoire de David pour céder à la royauté, vous savez ce qu'il a vécu. Amen. Amen. Un mois s'est déguisé en mendiant fou. David dans son histoire. À cause de l'onction royale, les gens cherchaient à le tuer. Amen. Il a possédé le trône. Il y a des choses que personne ne pourra détruire de votre destinée. Amen. Parce que c'est une vocation. Dieu vous a appelé à ça. Amen. Quel que soit le temps, vous allez un jour accéder à ça. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Amen. Amen. Lève les mains. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à prier. Levez les mains. Commencez à prier. Qui a réglé ça?
Commence à prier. Il faut lui demander pardon parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as douté de lui, tu avais peur, n'est-ce pas? Tu manquais de foi, les sorciers venaient dans Salaman, dans Kafa, ça cassait ton pied, ton orteil même, il n'y avait pas d'enrichir ça. Il faut demander pardon. Prions le Seigneur. Il faut lui demander pardon là où tu as douté de Dieu. Il n'y a jamais eu panari, une chose à brûler dans la cuisine, une à l'eau. Allez, on lui sourit. Je ne te mets plus dans ma chambre, là, de toi. Nous prions que la puissance de Dieu nous restaure. La gloire et la puissance de Dieu se manifestent ce soir. Recevez la gloire de Dieu ce soir. Recevez l'onction de Dieu. Recevez cette puissance de Yahvé. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu ce soir. Notre Dieu, vous visite ce soir. La puissance de Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu vous libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la gloire de Dieu ce soir. Recevez la gloire de Dieu ce soir. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Et une action particulière pour vous délivrer de la présence des ténèbres. La gloire de Dieu ce soir. La gloire de Dieu ce soir. La gloire de Dieu ce soir se manifeste dans votre vie. La gloire de Dieu ce soir. La gloire de Dieu ce soir se manifeste dans votre vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la puissante main de Dieu, la puissante main de Dieu, la gloire de Dieu. Jésus, vous visitez ce soir. Jésus, vous visitez ce soir. La gloire de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu de te manifester et d'agir fortement et puissamment. Merci d'agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir au nom de Jésus. Merci d'agir. Merci d'agir. Merci, notre Dieu. Merci de te manifester. Merci d'agir au nom de Jésus. Le feu consume les œufs de la sorcellerie. Consume les œufs de la sorcellerie. La puissance de Dieu. 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 Jésus vous bénit ce soir. Jésus vous bénit ce soir. Jésus vous bénit ce soir. Recevez la grâce de Dieu. 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 C'est ta vie. Recevez la puissance de Dieu. La restauration de Dieu. Dieu établit son règne dans ta vie. Dieu établit son règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de la sorcellerie cette place à la gloire de Dieu et dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance 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 de Dieu. Que te regarde, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci. Merci d'agir. Fortement sur ma vie. Merci de te glorifier. Merci. Merci de nous bénir. Merci de nous bénir. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te bénit ce soir. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu sur votre vie. Recevez la gloire de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus vous bénit ce soir. Jésus vous bénit ce soir. Jésus vous bénit ce soir. La main de Dieu. La main de Dieu vous restaure ce soir. La puissance de Dieu. Recevez la gloire 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 de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. 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 La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu sur votre vie, la gloire de Dieu sur votre vie, la puissance de Dieu. Dieu vous bénit ce soir, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, la puissante main de Dieu. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Je te bénis. Prie, 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 continue de prier, continue de prier. Jésus te bénit. Recevez la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir.